Je suis à 15 minutes de run. Et elle m'écrit en gros, chaque matin et midi, manger une protéine. On va goûter ça. Je me suis fait rapidement une shakshuka. Tout ce monde, je sais pas combien on est. 15 km, 1h32. Donc la première chose à faire quand on commence la course à pied, c'est d'alterner marche et course. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous ma préparation pour le semi-marathon qui arrive donc très bientôt, c'est le 29 septembre. Donc là, il me reste 4 semaines pour m'entraîner. Je me suis bien entraînée cet été, j'ai pas lâché, j'ai couru depuis janvier, je cours quand même très régulièrement. Donc là, ça approche grandement. Je suis très excitée et je vous montre un petit peu ce que je vais faire niveau alimentation, niveau bien sûr entraînement. Pour être au top de ma forme le jour J, le 29 septembre. Bon visionnage, à plus. Coucou, alors on est mardi matin, il est 8h30. Je vais aller courir 50 minutes selon les indications du coach avec le club athlétisme avec lequel je cours. On a un coach et tous les lundis ou tous les dimanches, je ne sais plus, sur notre groupe Facebook du groupe en fait, sur notre groupe Facebook du club d'athlétisme, je me réveille, hein, donc faut que je me réveille. Donc sur le groupe Facebook, il nous met le planning de la semaine et ce qu'on est censé faire de notre côté et ensemble quand on se verra pour les entraînements tous ensemble le mardi soir et le jeudi soir. Donc moi, j'y vais jamais le mardi soir parce que je récupère ma fille tous les mardis soirs à l'école, donc moi, je n'y vais pas. Mais du coup, je fais mon entraînement toute seule de mon côté. Et aujourd'hui, il a écrit 50 minutes footing cool plus étirement. Donc c'est parti. Hier, c'était censé être les côtes, mais moi, j'ai pas fait. Je suis allée courir 30 minutes. Mais là, on est à 3 semaines du semi-marathon. Donc tout ce que je vais faire cette semaine, c'est ce que je vais faire cette semaine, la semaine prochaine et potentiellement la semaine du semi-marathon. Enfin, je vais voir parce que c'est le coach qui nous dira ce qu'il faut faire. Mais voilà, cette semaine, je vous embarque avec moi et on va courir un peu ensemble, manger aussi, vous donner quelques petits conseils alimentation parce que cet été, j'étais avec ma grande sœur à Pau et je lui ai parlé du fait que je faisais le semi-marathon et tout. Je lui ai posé pas mal de questions sur l'alimentation pour la course à pied. Et elle m'a donné pas mal de conseils et qui sont toujours très intéressants. Donc, je partagerai ça avec vous. Tac, ça c'est bon. Voilà, moi je fais vraiment très rapide le matin. Je sors du lit, je m'étire rapidos. Je viens ici, je me prépare rapidement. Voilà, c'est ce que je fais tous les matins avant d'aller courir. Parce que moi, je préfère courir le matin. C'est là où j'ai le plus d'énergie, où je peux courir pendant des heures. Mais pendant longtemps. Alors qu'en fin de journée, avec le club, c'est un peu plus difficile, mais heureusement qu'on est en groupe, ce qui fait que ça me dynamise. Mais en fin de journée, seule, j'ai plus de mal en fait à courir. J'ai vidé la gourde, ça fait du bien. Et comme moi, je mange pas le matin avant d'aller courir, jamais. Je me prends toujours, je prends pas un gros petit déjeuner, quoi. Mais si je ressens un petit peu une petite faim, au cas où, voilà, je prends quelques amandes ou des noisettes, hein, peu importe, et des fruits secs. Et j'ai plus rien. Faut que je fasse une commande, là, la fourche. Je n'ai plus de fruits secs, donc à part des raisins secs, je prends des raisins secs. Voilà, je suis prête à partir. Pareil que l'autre fois, mon cycliste, c'est un Lorna Jane, mais donc la marque n'existe plus. Mais je l'aimais beaucoup. Et mon haut, c'est toujours pareil, le Oysho, que j'aime beaucoup. La ceinture, je l'ai achetée sur Vinted, je l'avais déjà dit. Mais on me pose toujours des questions sur cette ceinture. Moi, je l'aime beaucoup. Et je l'avais achetée sur Vinted. Et c'est une Pro Touch
ProTouch, voilà, je pense que j'avais écrit ceinture de course à pied, et c'était fourni avec deux gourdes, elles étaient neuves en fait, c'était une ceinture neuve, avec deux gourdes, moi j'en prends qu'une pour 50 minutes, et mes chaussures, on me pose aussi la question, qu'est-ce que j'ai choisi comme basket, ce sont des ASICS Gel Cumulus, et en fait, moi je suis allée en boutique, j'ai demandé l'avis de notre amie qui est donc aussi ma podologue, qu'est-ce qu'elle en pense, de quel type de chaussures il faut prendre, et elle m'a fait un long vocal pour me dire d'aller dans un magasin spécialisé dans le running, avec moi ma problématique de pied, qu'elle m'a dit, et ensuite je l'ai dit donc au vendeur, et il m'a fait ses plein de chaussures, il m'a fait courir dans le magasin, enfin bref, il y avait quand même pas mal de petits exercices pour trouver la chaussure qui est la plus adaptée, et il fallait que j'en achète une, c'était quand je l'ai acheté, il y a peut-être 2-3 mois, pour les faire beaucoup cet été, avant de faire le semi-marathon, de pas acheter une paire de chaussures juste avant le semi-marathon, quoi. Donc j'en suis très satisfaite, je les aime trop, et je pense que je vais aller m'en prendre une deuxième paire, parce qu'en fait j'en ai qu'une, et quand je les lave, j'ai plus de paire de baskets après. Donc voilà pour l'équipement pour aller courir maintenant, de bon matin, et bien sûr mes AirPods, mais je pense que je m'achèterai une nouvelle des écouteurs spécialement pour le running, mais pour le moment les AirPods font très bien l'affaire. Je suis à 15 minutes de run et mes AirPods m'ont lâché. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est trop relou. Ça a chargé toute la nuit. Mais très souvent, ça se décharge dans mes oreilles. C'est hyper relou. Donc pas de podcast, rien. Je vais continuer les 30 minutes restantes avec le bruit de la nature. Minutes tranquille, chill, pas d'essoufflement encore, pas de mal aux jambes. Avant, à 30 minutes, j'étais claquée. Là, maintenant, je peux y aller, mais il faut que je ralentisse le rythme parce que je cours un peu trop vite. Il a bien dit allure très cool, donc faut que je ralentisse un peu, mais c'est pas facile de ralentir en courant. Voilà, j'ai terminé ma petite sortie. Du coup, finalement, j'ai fait une heure. Parce que je voulais pas marcher pour rentrer jusqu'à chez moi, donc j'ai fait 1h00, 8,86 km, en 6 minutes 47 du kilomètre. Voilà, vous savez tout. Si pour ceux, à qui ça parle, parce que moi il m'a fallu des mois pour comprendre ce charabia. Moi et les chiffres, c'est vraiment, ça fait 30 000. Mais voilà en gros, pour la sortie du jour. Et là j'ai la dalle, donc... on va faire demi-tour et nous allons parler alimentation. Et vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire. Comme d'habitude, on en sera toujours au même conseil que depuis le début de cette chaîne, quoi. Enfin, en tout cas, ça a évolué, bien évidemment, au fur et à mesure, en travaillant avec Karine, en travaillant avec Claudie aussi. Mais en tout cas, ces dernières années, vous avez vu des conseils... assez identique, et bien là on va aller sur les mêmes types de conseils pour le sport, la course à pied, enfin tous les sports quoi, en règle générale, je crois. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et je suis partie faire quelques courses au jardin, enfin au jardin, pas du tout, au magasin coopératif que nous avons dans le village, parce qu'il me manquait 2-3 petites choses, donc voilà, je suis allée faire un saut, et maintenant il doit être presque midi, et j'ai toujours pas mangé, donc on va prendre le déjeuner directement, pas de petit déjeuner, c'est pas grave. J'ai eu ma petite bougie latte macchiato les bougies de Charroux, que je trouve absolument incroyable, je vous jure, ça sent le café chez moi, quoi, alors que je bois pas de café. Enfin, donc, j'ai fait quelques courses. Comment ça me permet de vous dire un petit peu, moi, les essentiels que ma grande sœur... Je regarde là parce que j'ai tout écrit quand ma sœur, quand j'étais chez elle cet été. Je lui ai demandé des conseils pour l'alimentation quand je cours. Et elle m'a donné plein de conseils que j'ai écrit dans notes, en fait, sur mon téléphone. Et du coup, je regarde parce que j'ai envoyé ça sur mon PC. Bref, et donc, bien évidemment...
comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus des choses absolument abracadabrantes. Hein. On revient toujours sur les plus ou moins les mêmes types de conseils qu'on donne depuis des années. Donc, niveau alimentation, pour elle, elle me disait donc les indispensables. Pour elle et également pour le nutritionniste qui s'appelle Anthony Bertou, que ma sœur aime beaucoup. Et du coup, elle m'a dit, va regarder son blog. Il est vraiment spécialisé dans la course à pied, il me semble. Et t'auras plein de conseils. Et en effet, je vous mettrai des articles que moi j'ai trouvé hyper intéressants en barre d'infos. Ça vous donne pas mal de petits conseils pour une alimentation saine, équilibrée et qui est adaptée à la pratique de la course à pied ou tout autre sport. Et de toute façon, ce que je vais vous dire finalement, c'est ce qu'on dit depuis toujours, même quand on ne pratique pas un sport intensif ou qu'on s'entraîne pas à un semi-marathon. Donc, bien évidemment, les indispensables, les essentiels qu'elle m'a dit. Elle m'a dit d'abord tout ce qui est pain au levain, etc. Donc bien évidemment, j'en ai toujours chez moi. Là, c'est pas moi qui l'ai fait, celui que j'achète à la boulangerie de mon village. Moi, c'est du pain au levain que j'aime beaucoup et que j'ai toujours à la maison. Soit j'en fais, soit je l'achète, mais c'est le pain que j'ai toujours. Je mange pas d'autres types de pain en règle générale. Donc elle m'a dit le pain au levain parce que bah, pour les petits déjeuners, c'est super. Petit déjeuner, donc pain, beurre. Donc j'ai du beurre toujours à la maison. Ou purée d'oléagineux. Donc moi là j'ai pris une purée d'amande parce que j'attendrai pas la purée de noisette de la fourche, il m'en faut là maintenant. Donc de la purée d'amande avec voilà un petit peu de confiture si besoin. Ou moi je fais souvent pain, beurre ou purée d'amande avec une omelette par exemple au petit déjeuner, puisque comme on dit toujours, le petit déjeuner c'est protéiné. Encore plus quand on fait de la course à pied, donc un œuf ou du fromage avec, on privilégie toujours le fromage de chèvre ou de brebis, ou un yaourt de chèvre ou de brebis. Là, c'est ce que j'ai pris également. Donc là, j'ai pris des yaourts de chèvre parce qu'ils n'avaient pas de yaourt de brebis à mon magasin. Et ça va être parfait pour manger avec des muesli, par exemple. Et donc, il nous faut du flocon d'avoine. Donc, pour elle, les essentiels, c'est les yaourts bah, comme ça protéinés, mais on évite les yaourts à base de lait de vache. Les flocons d'avoine, bien évidemment, même si c'est écrit gris. Les flocons d'avoine, là, je vais faire un gros batch de muesli. On a une recette sur le blog hein, depuis longtemps. Donc, je vais faire flocons d'avoine, raisins secs, abricots secs, noisettes, amandes. Si j'ai des graines de chia, j'en ai donc ça aussi. Un petit peu de chocolat noir, je pense. Et ce sera parfait au petit déjeuner avec, avec du yaourt et un fruit. Les indispensables aussi qu'elle m'a dit. Donc, bien évidemment, les œufs. Bon, moi, j'en ai toujours plein à la maison. La truite fumée, tout ça, elle me dit c'est pratique. C'est vrai que c'est des protéines qui sont bien pratiques. Notamment, quand elle me disait, une tartine, un petit peu de fromage frais type Madame Loïc comme ça. Une tranche comme ça de truite fumée, de la salade et on est bon pour un déjeuner équilibré après une sortie. Je pourrais manger ça par exemple ce midi, ce serait parfait après une heure de sortie. Également du riz, des pâtes, tout ça complet ou semi-complet. Donc moi j'ai toujours ça en semi-complet et elle me dit c'est pratique pour les repas du soir, pour faire par exemple, surtout en ce moment où il fait quand même... Alors, il fait pas hyper moche, il fait pas hyper beau, mais il fait pas non plus hyper moche. Où on peut faire, elle me disait, donc, prévoit des salades de pâtes, des salades de riz bien chargées avec, donc, des céréales comme ça, semi-complètes. Elle me disait, donc, bien sûr, les fruits secs. Et comme j'en avais plus beaucoup, eh bien, j'ai pris une belle quantité d'abricots secs. Ça, c'est pratique, notamment pour le goûter. Parce que au goûter, par exemple, on prend 2 à 3 fruits secs avec une banane, une petite poignée d'oléagineux et je sais qu'ensuite, bah, je peux aller courir si je cours le soir, par exemple. Donc ça, c'est un goûter que je fais tout le temps à la maison hein, pour ma fille ou pour moi. Et ma fille n'avait pas de semi-marathon, hein, donc ça lui va très bien aussi. C'est probablement ce que je vais lui ramener d'ailleurs quand je vais aller chercher à l'école tout à l'heure. Des fruits secs parce qu'on adore ça, nous, à la maison. Une banane, une poignée de noisettes ou d'amandes et ça lui fait un petit goûter sympa et pour moi aussi
c'est nickel quand je cours l'après-midi. C'est vraiment ce que je prends quand je vais courir avec le club à 18h30 le jeudi. Elle m'a dit également donc les oléagineux, donc vraiment tout ce que vous voulez, les noix, les amandes, les noisettes, enfin vraiment ce que vous voulez. Moi, j'avais toujours à la maison des bananes, bien évidemment, et des fruits frais et des légumes frais. Bon, ça, c'est un petit peu la base, ou surgelés, hein, mais 100% nature. Donc, moi, j'ai voilà, là, en ce moment, j'ai plutôt des aubergines. J'ai aussi des carottes. J'ai également des tomates de notre jardin partagé dans le frigo. J'ai des oignons rouges. Je vais faire des pickles, du coup, aussi. Et pour les fruits, j'ai donc des bananes, des prunes. Oups. Et également du raisin. Donc voilà pour ça, et bien évidemment une huile riche en oméga 3. Moi, c'est toujours de l'huile de colza que j'ai toujours dans le frigo. Vous voyez, elle est presque vide. Je pense qu'il n'y a pas une journée où j'en mange pas, parce que moi, je suis très crudité, salade, etc. Donc deux grosses cuillères à soupe tous les jours, c'est quand même rare que je n'en mange pas. Et qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Je vais vous dire. Voilà, donc le matin, de prendre le temps de se réveiller tranquillement et de s'hydrater avec une boisson chaude ou deux grands verres d'eau avant de commencer l'entraînement. Ensuite, après l'entraînement, avoir un petit déjeuner de qualité, notamment donc un petit déjeuner protéiné avec par exemple du pain au levain biologique complet, ou à base de farine d'épeautre, d'engrains ou sans gluten, ou aux céréales aussi, avec du beurre, de la purée d'amandes, ou sinon des muesli avec quelques noix, noisettes, amandes, un fruit bien mûr ou une compote sans sucre ajouté, et un apport de protéines. Donc, quel qu'il soit, des œufs à la coque, des œufs mollets, du jambon, du fromage frais, de chèvre ou de brebis de préférence. Et une boisson chaude, donc une tisane, une infusion, peu importe. Et de penser à boire 2 litres minimum d'eau dans la journée. Voilà. Et une collation, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, des amandes, des noix ou des noisettes. Et un à deux fruits secs avec, par exemple, une banane. Et le soir, comme on dit à chaque fois, on privilégie un repas féculent légumes. Donc salade de pâtes, salade de riz, salade de boulgour, par exemple. Un fruit frais pour se réhydrater et ramener un petit peu de nutriments après une grande sortie. Et si besoin d'une protéine, si on n'a pas mangé le matin ou le midi, on peut ajouter une protéine plutôt type œuf poisson, qui sont des protéines faciles à digérer et qui ne perturberont pas le sommeil, notamment si on court le lendemain. Donc par exemple, la veille de mon semi-marathon, c'est ça que je vais manger, plutôt féculents légumes, plutôt que avec une petite protéine, mais assez légère. Donc par exemple, elle me dit un repas type le soir, ça peut être du pain au levain avec du fromage à tartiner, du saumon fumé et de la salade. Donc voilà, et elle m'écrit en gros, chaque matin et midi, manger une protéine. Notamment toujours des protéines faciles à digérer, donc type poisson, œuf et blanc de poulet. Donc là, comme il est midi et que j'ai hyper faim, eh bien je vais me faire quoi? J'ai pas envie de trop cuisiner, j'ai la flemme un petit peu. Donc je pense que ça va être une omelette au fromage. J'ai acheté un délicieux fromage sur le marché dimanche. Un fromage, donc c'est à base de chèvre, mais type un peu émental. Mais dans une chèvrerie en fait. Donc peut-être mettre ça dans... Ouais, omelette avec ce type de fromage dedans. Et je vais faire une salade de tomates. Avec du pesto. J'ai un pote toutefois qui a fait ça. Une salade de tomates avec une vinaigrette au pesto. Et c'est très très bon. Donc je vais faire ça. Et un morceau de pain au levain. Et voilà, nous aurons un déjeuner vraiment conforme à ce que Karine m'a dit. Et à ce que Anthony Berthoud aussi propose sur son blog. On est mercredi matin, je marche. Là, il y a Marisa qui est en train de m'appeler parce qu'on fait une marche en s'appelant toutes les deux. On papote, on brainstorm, on parle de boulot, on parle de la vie, enfin tout ce qu'on fait avec vous en règle générale. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est repos
pas de run parce que j'ai couru donc lundi, mardi. Aujourd'hui repos et puis je vais courir après jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc et dimanche normalement c'est une sortie assez longue ou samedi on verra où je voudrais faire au moins 1h30. Donc aujourd'hui chill, c'est marcher et ensuite je vais faire un petit peu, je vais préparer quelques petites choses à manger pour les quelques jours à venir, notamment des barres de céréales que je vais absolument tester parce que quand on allait faire des randonnées avec les potes cet été, j'achetais toujours à ma boulangerie de mon village des barres de céréales absolument délicieuses et je me suis dit il faut que je trouve une recette et que je tente d'en faire moi-même et je pense que j'ai trouvé une recette un peu sympa que je vais pimper comme d'habitude et je vais faire ça aujourd'hui et il faut que je passe aussi à la pharmacie pour acheter du magnésium parce que je sens crevée, bah comme nous tous après les vacances. Et j'aimerais être en pleine forme pendant le marathon et pas bâiller toute la journée comme je fais en ce moment. Donc je vais aller acheter du magnésium en suivant les conseils de Karine sur quel type de magnésium il faut prendre, etc. pour me faire une cure ces 3 prochaines semaines. Comme ça, dans 3 semaines, quand il y aura mon semi-marathon, je serai plus en forme. Marisa, elle a commencé, elle, sa cure de magnésium il y a 10 jours ou 15 jours. Et déjà, elle a arrêté de bâiller, elle se sent beaucoup plus en forme. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais là, je vais appeler Marisa et je vous dis à plus tard. Allez, je vais préparer... je suis morte de rire parce que je me rappelle une vidéo qu'une d'entre vous m'a envoyée. C'est un réel d'un mec... Enfin, vraiment, vous allez la voir. C'est un réel d'un mec, mais je l'avais déjà vu en fait cet été, mais vous êtes nombreuses à me l'envoyer. Il s'appelle comment ? Jason Caravan, je crois. Et il a fait tout un réel humour sur les gens qui se mettent à la course à pied. Et franchement, j'ai explosé de rire parce que je l'ai vu cet été, mais j'ai trop rigolé parce que, en vrai, quand on se met dans une passion, on peut devenir un peu beauf quand même. Hein. Et je me mets dedans, hein, croyez pas, hein, je me mets complètement dedans. J'en ai pris pour mon grade dans cette vidéo. Mais ce côté, voilà, il se met à la course à pied, il est à fond, il a toute la, vous savez, tous les accessoires, etc. Et je me suis dit, vraiment, on peut être beauf, hein, parfois. Et en plus de ça, j'ai regardé ce que j'ai dit ce matin quand je marchais. Et je me rends compte que je vous dis que je suis fatiguée après un mois et demi de vacances. Enfin, je me suis dit, Isadora, c'est lunaire ce que tu es en train de dire. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, il y a eu un mois et demi de vacances, mais on a fait beaucoup de choses, etc. Donc, je reviens un petit peu avec une petite baisse d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie pour partager plein de choses, pour la vie, etc. Moi, je suis toujours pleine d'énergie. Mais je me sens, dès la rentrée, un petit peu fatiguée. Mais comme tout le monde, on devrait tous faire une cure un petit peu de magnésium à la rentrée, pendant l'automne, en fait, tout simplement. Mais quand je me suis écoutée, je me suis dit... Putain, ça fait vraiment la meuf qui vient de vacances et qui a le luxe de dire qu'elle est fatiguée. Vraiment. Donc bref, j'étais en train de sourire toute seule chez moi, là. Ça m'a bien fait rire. Mais peu importe, je suis en train de chercher un plat dans lequel je vais pouvoir mettre les barres de céréales que je vais faire maintenant. Et en plus, j'ai vu sur la recette que j'ai pris sur New York Times, que j'aime beaucoup. Mais je vais tout changer en vrai. Mathieu, s'il regarde cette vidéo, qui ne regardera pas, il serait mort de rire parce que c'est un truc qu'il disait tout le temps pendant 10 ans. Pourquoi tu suis jamais une recette? Pourquoi tu es toujours en train de faire d'une recette une autre recette? Parce que je suis comme ça. Mais il y a plein de choses que je n'avais pas dans la recette de base de New York Times. Donc on va faire avec ce que j'ai moi. Il me reste que ça d'amandes. On n'ira pas très loin. J'ai un petit peu de noix de cajou, donc on va utiliser ça. J'ai aussi des graines de courge et des graines de tournesol qu'on va utiliser aussi, même s'il n'y en a pas dans la recette. Et pour les fruits secs, bah, j'ai que des raisins et les abricots. La farine, moi, je la remplace par des flocons d'avoine. Et je vais ajouter aussi un petit peu de chocolat noir parce que des barres de céréales au chocolat, c'est quand même très bon. Et je vais chercher un plat, mais dans quoi je vais mettre ça? J'ai plus de plat rectangulaire, c'est bête ça. Écoutez, on va voir, on va essayer. Et quand je disais que sur la recette, ils disent que c'est des barres super pour la randonnée, le trail, la course à pied. Ça se conserve 5 jours.
Donc c'est parfait puisque là cette semaine je vais quand même pas mal courir, donc je vais pouvoir avoir ça avant d'aller courir, que ce soit le matin ou plutôt l'après-midi. Parce que jeudi je cours le soir, c'est sûr. Vendredi, je pense que je cours le soir, je pense. Samedi, je cours le matin et dimanche, je cours en fin de journée aussi. Donc voilà, j'aurai mes petits goûters faits pour ces 5 prochains jours et c'est parfait. C'est un petit meal prep. Allez, c'est parti! Je vais aller chercher ma fille au centre aéré, mais d'abord, je me suis dit que j'allais goûter avec vous les petites barres de céréales. Elles sont hyper épaisses. Ils disent que ça fait 5 barres de céréales. Moi, ça m'en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au moins une dizaine, parce que bah, c'est quand même hyper épais, hyper dense. On va goûter ça. C'est hyper bon, hyper sucré. Avec ça, tu fais un marathon, tu peux même en faire 2 d'affilée. Hein. C'est évident que jeudi, je vais en manger avant mon sport. Et limite, si je m'en fais pas pour le semi. Hein. Très bon. Délicieux. Je valide. Je reviens de la pharmacie. C'est bon, j'ai pu me prendre du magnésium avec les indications que Karine m'avait données. Donc, j'ai pris celui-là, MAC2, extra fort, nervosité, fatigue, fatigue musculaire. Et ce que Karine disait... En tout cas, sur la plateforme Intention, je suis allée récupérer la fiche sur le magnésium qu'on avait faite à l'époque. Elle disait qu'il fallait que le magnésium, parce qu'il y en a beaucoup dans le commerce, il y en a beaucoup de magnésium en pharmacie, etc. Et que le principal, c'était qu'il y ait un bon véhicule du magnésium avec, par exemple, le glycérophosphate. Et là, c'est bien ce qu'il y a, le glycérophosphate. Donc, c'est un bon véhicule pour mieux assimiler le magnésium. Et également, elle disait qu'il fallait qu'il soit accompagné de ses deux amis, la taurine et la B6. Et là, c'est taurine, B6 et magnésium. Donc, logiquement, ça va être super. Donc là, je suis très contente. On va faire ça sur un mois et ça me fera le plus grand bien. Allez, je viens chez ma fille maintenant et on se dit à plus tard. Le refaire ce repas délicieux. Oui, bien sûr. Et on mâche bien, c'est important. Bonjour. Bonjour. C'est bonjour à tout le monde. Non, on dit bonjour à tout le monde. C'est normal, on est bien élevé. On se à 8h45. Samedi, c'est les 10 km. Ouais, tu seras? Oui. Bah ouais, bah je viendrai, ouais. Comme ça, tu sens ma fille. Peut-être regarder un peu bah plus. Bah ouais, complètement. Tout ce monde, je sais pas combien on est. Ah. Une vingtaine? Ouais, je pense. Incroyable. Il est 20h55, du coup, je viens de rentrer de ma séance d'athlétisme. On a commencé à 18h45, on a fini à 20h40. On a mis 2 heures de séance, c'était une séance incroyable, c'était la rentrée, donc on était hyper nombreux. Alors d'habitude, on était quoi? Peut-être même pas une dizaine. Là, on était quand même, j'ai dit une vingtaine, mais je crois qu'on est bien une trentaine. C'était super. Ce matin, je suis allée marcher avec Claudie. C'est notre petit rituel du jeudi matin. Tous les jeudis matins, je dépose ma fille à l'école et ensuite, on va marcher avec Claudie qui vit juste à côté de l'école de ma fille. On marche une petite heure. Et après, on a bossé avec Marisa, etc. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis posée un peu. Et j'ai pu manger mes barres de céréales. Et je suis contente de les avoir mangées parce que c'était, j'avais la dalle et ça m'a tenue de ouf. Là, j'ai faim, mais sans être complètement affamée. Donc, je suis trop contente. Allez, avant de prendre ma douche, je vais vous montrer rapidement ce que je vais manger. Donc, j'ai un reste de courgettes poêlées au pesto que j'ai fait hier soir. Un reste de spaghettis au citron. Ça paraît moche comme ça.
Mais je vous assure que c'est délicieux. Quand on était à Florence avec ma belle-fille, il y avait souvent sur la carte des pâtes au citron. Elle en a mangé une fois et c'était hyper bon. Donc j'ai voulu trouver une recette pour faire ces spaghettis. Franchement, faut tester. Hein. C'est devenu le repas préféré de ma fille, alors que j'en ai fait qu'une fois hier. Et en fait, c'est vraiment tout simple. J'ai déjà fait cuire des pâtes dans de l'eau classique. Et j'ai gardé à peu près 250 ml d'eau de cuisson à part. Et dans la même casserole où j'ai fait cuire mes pâtes, j'ai jeté deux beaux morceaux de beurre. J'ai râpé dessus deux gousses d'ail, je crois. Une ou deux gousses d'ail, mais deux parce que moi, j'aime bien quand c'est assez relevé. J'ai aussi zesté un citron directement dans le beurre. Je remue un petit peu, j'ai mis du poivre, j'ai remué un petit peu. Et ensuite, j'ai ajouté la moitié de mon eau de cuisson et les spaghettis cuites déjà. Et j'ai mélangé jusqu'à ce que l'eau de cuisson s'évapore. J'ai rajouté l'autre moitié de l'eau de cuisson, encore une fois, et j'ai mélangé. Et j'ai pas attendu que toute l'eau s'évapore pour que ça fasse une sorte de côté un peu crémeux. Et ensuite, hors du feu, j'ai mis beaucoup de jus de citron et j'ai râpé du parmesan. Et faut pas oublier de mettre du sel, hein, parce que sinon ça peut être un peu fade. Et c'était absolument délicieux. Et on avait mangé ça donc avec des courgettes poêlées au pesto tout bête. Et j'ai fait hier également un caviar d'aubergine. Pareil, tout simple, vraiment ridicule. Et du coup, je vais me faire, je pense, ça. Et comme il reste pas grand-chose, mais que j'ai faim, je vais prendre ça, les courgettes, et je pense que je vais me prendre du pain au levain que je vais tremper dans mon caviar d'aubergine. Tout simple, ça va être vraiment mon repas de ce soir, beaucoup d'eau, et prendre ma douche et aller me mettre dans mon lit. Allez, il est 13h02, je suis affamée, je me suis fait rapidement une shakshuka, juste des oignons revenus dans de l'huile d'olive avec de l'ail. Ensuite, la sauce tomate et des petits pois. Et j'ai cassé mes deux œufs dessus et j'ai ajouté de la feta et de la coriandre. Et je vais manger ça tout de suite parce que je suis affamée. Avec Marisa, on a bien marché ce matin. En fait, hier, j'étais fatiguée, j'avais faim. Donc, j'ai pas dit la séance qu'on a faite. Donc, avec le club d'athlétisme, on avait tous plus ou moins le même programme. C'était une séance 10 x 400 mètres avec 1 minute de récupération. Donc ça veut dire qu'en gros, on a fait 10 tours sur 400 mètres. Et à chaque fois qu'on finissait les 400 mètres, on avait 1 minute de récup. Mais sur les tours, en fait, il fallait courir assez vite. En fait, c'est du fractionné. On court assez vite et pendant la minute de récup, on trottine et on fait ça 10 fois. Mais d'abord, on commence par 20 minutes de run tous ensemble. On compte d'abord 1 minute, après il y a des exercices avec des plots, enfin comme à l'athlétisme quand on était jeune quoi. Et ensuite on fait le fractionné. Donc ça a été une séance ouais de presque 1h30. Et là j'ai des courbatures partout, donc normalement aujourd'hui je devais faire 45 minutes de run. Mais ce matin, je me suis réveillée en me disant j'ai pas le choix de le faire, c'est soit maintenant, parce que ce soir j'ai une réunion, donc je peux pas courir ce soir. Donc c'est soit ce matin, et je me suis dit, mais en fait j'ai courbatures partout, parce qu'on finit toujours aussi la séance par une séance d'abdos. Donc clairement je me sentais pas, donc quand Marisa m'a appelé pour ce matin pour me dire, je peux passer chez toi récupérer un truc, je lui ai dit, tu sais quoi, on va aller marcher directement, et on a très bien fait, on a fait 9000 pas, c'est très très bien. Et j'ai également fait du muesli maison, j'adore faire ça, donc j'ai fait une belle quantité pour les petits-déj de ce week-end-là. Et à partir de la semaine prochaine, je me mets de toute façon au petit-déjeuner le miam aux fruits. Marisa, elle a fait ça depuis une semaine là, et elle voit une énergie qui est ouf. Donc je me dis, bah pour les deux semaines avant le semi-marathon, je vais mettre à fond avec le miam aux fruits que vous avez vu de toute façon dans le live batch cooking qu'on fera dimanche. Et donc là, mon muesli que j'aime trop, il est trop beau, c'est avec des flocons d'avoine, des cornflakes que j'achète en vrac à la Biocoop, des graines de courge, des graines de tournesol, des noisettes grillées que j'achète aussi en vrac à la Biocoop, des amandes, raisins secs et cranberries. Et je mélange tout, en fait, vraiment, ça prend 5 secondes, hein, parce que tu mélanges tous les ingrédients et dans un bocal et tu en as pour plusieurs jours. Ça sera parfait avec du yaourt de chèvre ou du yaourt de brebis que j'ai acheté. J'ai acheté un yaourt grec, du fromage blanc à la grecque au brebis. Donc là, ce sera mon petit déj pour demain matin et dimanche matin. Et lundi, à partir de lundi, je mangerai du miam aux fruits.
Je file à table et on se retrouvera demain parce que demain, je vais courir avec le club d'athlétisme pour 10 km à 9h. On a combien de kilomètres, Mathilde ? 5 kilomètres. Tout va bien, il en reste 10. Si, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On est bien, on est bien. Il pleut un peu, mais j'avoue, j'adore. Ça ne me dérange pas. Il fait bon. Il en reste 10. On en reparle plus tard. Kilomètres. Je peux pas trop parler, mais nous sommes à 10 kilomètres. Il en reste plus que 5. Le cardio, ça va, les jambes, ça va nickel. Là, c'est le mental qui me dit arrête. Et moi, je suis là, non. Arrête, non. 15 km, 1h32. Pas mal. Franchement, bon rythme. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'était pas mal. C'était pas mal. Franchement, je pensais pas le mener, le truc. Et quand c'était dur? Moi j'ai trouvé que je pense qu'au 13e. Ouais, j'allais dire parce que il a vraiment les 10 premiers, il n'y a pas eu de soucis. Non. Je suis hyper contente, merci beaucoup Mathilde. Ah, bah de rien. Toujours être sympa. Accompagnée de gens bien. Mais c'est mon premier 15 km. Et ouais. Première fois. Le plus que j'avais fait c'était 13. Mais c'était en juin. Donc là c'est cool. Je suis très contente. Un bravo. Dimanche soir en plus. Bravo, sous la pluie. Bravo. Sous la pluie. C'est cool. Regardez-moi la confiture pêche verveine que Mathilde m'a ramenée de son jardin. Pêche du jardin, verveine du jardin de Mathilde. Et voilà, ça fait une belle carotte. Ouais. C'est une belle carotte. Ouais. On a bien couru et il y a une petite récompense à la fin. Exactement. Et je vais la goûter dès que je rentre, bien évidemment. Et vous êtes tenus par les pêches, un sachet de pêche de Mathilde aussi, du jardin de Mathilde. Donc hâte de goûter ça. Ça va être trop bon. Et comme Mathilde est avec moi, on va avoir des petits conseils. Course à pied d'une coach sportive. Et ouais. La première partie de vidéo, je vous ai parlé un petit peu des conseils que Karine m'avait donné cet été quand j'ai demandé de m'aider un petit peu sur l'alimentation avant le semi. Mais comme je disais, semi ou pas en vrai, hein, c'est des conseils alimentaires, de l'hygiène de vie assez quotidienne, que vous fassiez n'importe quel sport de toute façon. Mais tout le temps, vous me demandez quels sont les conseils pour la course à pied. Et moi, j'avoue, j'en ai, mais pas, à part dire commencer, j'ai pas grand chose à dire. Mais d'abord, conseil semi-marathon. Si vous voulez vous entraîner à un semi-marathon, comment on s'entraîne? Enfin, quels sont les trois conseils, on va dire, principaux? Eh bien, si je dois donner trois grandes recommandations pour préparer un semi, la première recommandation, c'est que très souvent, on se focalise sur la distance. Donc, on veut très vite ou trop souvent faire de longues sorties, des sorties longues, comme on a vu aujourd'hui avec Isadora de 15 km. Et ça, c'est un peu une erreur. Sur le semi, mieux vaut privilégier et ne pas négliger les petites sorties. Donc la recommandation, c'est de sortir 3 fois semaine et de ne faire qu'une seule sortie longue. Ça ne sert à rien d'avoir fait la distance du semi-kilomètre plusieurs semaines avant votre semi-marathon. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment privilégier des petites sorties parce que le corps se désadapte très vite. Donc le meilleur moyen de se blesser quand on pratique la course à pied et a fortiori des longues distances comme ça, c'est de courir une fois par semaine, une très longue distance, et de rien faire sur les 7 autres jours. On court régulièrement entre 3 et 4 fois par semaine et on ne se dit pas qu'un petit footing de 25 minutes ou de 5-6 km, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est très important dans les prépas semi. Deuxième conseil, c'est de tester des choses. Souvent, on se focalise sur la préparation, donc on se focalise juste sur le fait de faire nos kilomètres. Et c'est super important de tester pas mal de choses dans sa prépa, de se donner du temps, donc entre 3 et 4 mois minimum, et de tester par exemple ses petits déjeuners. Parce que le jour de la course, si par exemple on s'entraîne en courant que tous les soirs, ce qu'on a fait ce soir avec Isadora, mais que notre course elle est en matin comme bien souvent, c'est super important d'avoir testé un petit déjeuner type, puis un autre, puis etc. D'avoir testé son hydratation. Là, moi, par exemple, j'ai un gilet. Isadora, elle a une ceinture. Mais je pense que passer au gilet pour le semi, non, c'est pas mieux. Bah, je sais pas. Surtout, pas de nouveauté pour le jour de la course. Parce que j'aime pas à chaque fois sortir ma gourde. Je suis là comme ça, je sors. Ça te gêne ? Bah voilà. Ouais, ça me gêne un peu. La prépa, elle sert aussi à ça, à tester son équipement, à s'équiper correctement. Ça veut pas dire qu'il faut acheter 36 000 trucs. Par contre, il faut avoir des choses performantes et pour ça, il faut les essayer. Est-ce que c'est gilet ? Est-ce que c'est ceinture ? Est-ce que c'est brassard ?
est-ce que c'est dans les mains, casquette, pas casquette, etc. Les chaussures, pareil. Ouais. Donc, il faut tester des choses, la prépa, elle sert aussi à ça. On commence quand la prépa, tu disais ? Trois mois avant à peu près ? 3-4 mois avant, quand on en a déjà couru un petit peu. Voilà, quand on sait qu'on peut déjà courir 8-9 km, je pense que c'est pas mal. Plus on se donne de temps, entre guillemets, mieux c'est, mais parfois, il ne faut pas en avoir trop non plus parce qu'on peut garder des longues périodes sans rien faire et oublier un peu qu'on a un objectif. Donc ça, ce sera un peu mon deuxième conseil. Et troisième conseil, ah oui, alors ça, c'est pas facile à entendre, entre guillemets, parce que ça prend déjà pas mal de temps de faire une prépa semi-marathon. Parce qu'il faut sortir 3 fois semaine pour bien faire. Mais il ne faut pas négliger le reste, une préparation physique un peu générale. Donc, de marcher, de faire une séance d'étirement par semaine, de travailler du renforcement musculaire spécifique, si possible, en dehors de ces jours où on court. C'est important pour avoir une condition physique optimale au moment de la course et surtout pour ne pas se faire mal pendant la prépa. Il n'y a pas besoin de faire des énormes séances. On ne vous demande pas d'aller à la salle de sport 1 heure par semaine en plus. C'est plus d'essayer de caler par 5-10 minutes un peu de gainage et un peu de renfo spécifique pour la jambe. Voilà pour le troisième conseil semi. Donc ça, c'est pour le semi. Merci parce que du coup, je vais pouvoir tester les 2 prochaines semaines qui restent. Ça ne veut pas dire que j'aime pas. Hein. J'adore cette ceinture. Je l'utilise tout le temps. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai peur qu'elle ne soit pas adaptée pour quand je commence à ne plus en pouvoir, comme tout à l'heure. Et je galère un peu à sortir ma gourde. Mais quand je fais 10 km, ça, c'est nickel. Et Yana, par contre, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai vu une cliente cette semaine qui avait un cycliste trop bien. Où en fait, la ceinture, elle était intégrée dedans. Il était de chez Decathlon. Ouais, bien sûr. Il était de chez Decathlon, c'était la gamme Keep Run. Et en fait, c'était un genre de legging court. Et en fait, la ceinture vraiment autour de sa taille, c'était une doublure en mèche à l'intérieur de laquelle elle avait glissé son tel, des gourdes, clés, etc. Il était génial. Je sais pas si vous arriverez à te trouver le lien pour demain dans la barre d'infos. Mais en vrai, j'ai trouvé qu'il était génial. De plus en plus aussi, vous avez le vêtement en tant que tel qui sert de réceptacle. Alors, c'est surtout vrai pour téléphone et clés. C'est un peu moins vrai pour les systèmes d'hydratation. Ouais. Mais j'ai trouvé que ce cycliste en particulier était particulièrement bien fait. Et ensuite, pour les personnes qui veulent se mettre à la course à pied, parce que ça, je l'ai tout le temps. Et ouais. Si je veux commencer la course à pied, comment je fais? On est loin du semi-marathon, c'est juste déjà... Ouais. On veut s'y mettre parce que voilà, c'est un sport qui nous attire. Et oui, et on comprend pourquoi, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est accessible, dans le sens où c'est un sport qui coûte rien, on y met le temps qu'on veut, l'énergie qu'on veut, et on peut faire ça à peu près de partout, donc je comprends l'engouement. Et sauf qu'il n'y a pas beaucoup de méthodes, en fait, très souvent, on pense qu'il faut claquer la porte de chez soi, partir courir, et que en fait, ça va marcher, et on se heurte à beaucoup de difficultés. Donc la première chose à faire quand on commence la course à pied, c'est d'alterner marche et course. Ça a l'air pénible, alors qu'en fait, il n'y a pas moyen de faire autrement. Sinon, on se heurtera toujours à un mur, en fait, à une limite. Donc, on commence par de tout petits intervalles. Tout petits intervalles. On va, par exemple, courir 30 secondes, marcher 45. Courir 45 secondes, marcher une minute. On trouve le ratio qui nous va et on s'y tient. C'est-à-dire que dès lors qu'on a défini notre ratio course-marche et on essaye de faire ça, comme ça, pas longtemps, sur une séance maximum au total, je dirais, de 30 minutes. Donc, sur 30 minutes, on fait, par exemple, 45 secondes de course, 1 minute 30 de marche. Voilà. Ça va être la sortie numéro 1. Et puis, on voit comment on se sent. L'idéal, c'est de se sentir assez bien. C'est de se dire, j'ai pas poussé mes limites tout de suite. Le running, ça va venir. On y arrivera toujours à un moment où Moi, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 10 ans. Donc, on commence, voilà, comme ça. Et petit à petit, c'est du bon sens. On augmente le ratio marche-course. Ça, c'est le premier conseil quand on débute la course à pied. Ensuite, moi je suis assez. Je comprends pourquoi est-ce que les gens se fixent des objectifs. Par exemple, de s'inscrire à une course, on se dit je vais m'inscrire à un 5 km, ça me forcera à m'entraîner. C'est bien, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça correspond, il y a d'autres à qui ça ne correspond pas. Et moi je crois aussi qu'il faut voir et se donner des objectifs court terme. C'est beaucoup ce qu'on ne dit pas dans le sport. On dit beaucoup sport long terme et c'est normal, il faut faire du sport pour sa santé à long terme. Mais sur la course à pied, pour ne pas s'écœurer et pour se sentir vraiment dans le succès et pas dans l'échec, il faut se fixer des objectifs à court terme. Hop, je vous mets derrière. Comme ça, on se rapproche au cas où on nous entend un peu moins. Et oui, il y a un peu de vent. Donc voilà, des objectifs à court terme. C'est de dire, cette semaine, je veux sortir 2 fois faire mon fractionné marche-course. Et je fais vraiment le bilan à la fin de la semaine. Et je vois, etc. Pour se féliciter et pour mesurer ses progrès sans attendre trop longtemps. Parce que sinon, la course à pied, ça peut être vu comme un sport un peu ingrat. Parce que c'est les progressions, c'est jamais comme ça. C'est toujours un peu en dents de scie. Donc voilà sur les conseils course à pied. Et moi, ce que je trouve pas mal aussi sur la course à pied, c'est quand on débute, de ne pas hésiter à utiliser
des podcasts. Moi, ça a été une des grandes techniques qui m'a aidée quand j'ai commencé la course à pied il y a un moment à pas me sentir seule en fait avec ma course ou avec mon truc. Donc la musique c'est bien, mais parfois la musique c'est à double tranchant parce que moi je commence aussi avec les podcasts. Et voilà. Et podcasts ou livres audio, il y a beaucoup de personnes que je connais et que ça a aidé à débloquer un peu pour débrancher. Et éviter les ruminations, parce qu'il y a beaucoup de ruminations quand on court, et c'est ce qui s'est un peu passé tout à l'heure pour Isadora, parce que, objectivement, elle a pas mal de jambes, elle a aucun problème de souffle. C'est juste que dans sa tête, elle se dit, ça commence à être dur, j'en ai marre, il y a des voyants qui s'allument, et on s'arrête à cause de la tête avant de s'arrêter, à cause de. J'ai peur de plus avoir bientôt de batterie, donc, attendez, on attend le train. Il faut que tu parles de ton programme. Oui, dernier, bien sûr, dernier conseil. Moi j'aurais adoré avoir ça quand j'ai commencé il y a 10 ans, je l'ai pas mais Exactement, je l'ai conçu pour ça. Dernier conseil, si vous avez besoin d'aide, rejoignez le Bloom Club, ma plateforme en ligne où j'ai conçu en format audio un programme de course à pied pour débutantes. Et c'est un programme audio guidé, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, il est fait en 7 séances. Vous lancez la séance numéro 1 et vous écoutez à ma voix, à mes encouragements, tout ce que vous avez à faire. C'est moi qui vous dis, vous commencez à courir dans 5, 4, 3, 2, 1. Tout pendant que vous courez, je vous parle, je vous accompagne, je vous encourage. Puis je vous dis dans 3, 2, 1, vous allez pouvoir marcher, je vous accompagne sur la phase de marche et ainsi de suite. Et je vous fais progresser comme ça sur cette séance. Le but, c'est vraiment un apprentissage de la course à pied. C'est fait pour les 100% débutantes qui sont les personnes à qui je trouve qu'on s'adresse jamais vraiment. Donc ce programme-là, il est dispo sur la plateforme, le Bloom Club. .co et allez voir, sachant que les 7 séances, vous n'avez pas eu le choix de les faire en 7 semaines, vous pouvez le répéter deux fois ou trois fois une séance si elle vous demande un peu de temps ou de challenge. Et voilà, toutes celles qui l'ont fait m'ont fait des retours super intéressants, positifs et j'espère que si c'est votre cas, vous penserez à me le faire aussi parce que ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Voilà. Et c'est pas une collab, c'est juste parce que c'est une copine. Non. Et je trouve que c'est chouette parce que vous êtes tellement nombreuses à vouloir commencer la course à pied. Si j'avais eu ce genre de truc d'audio, ça m'aurait vachement plus, ça m'aurait plus motivée. Et oui. Et j'aurais plus compris le fractionné. Exactement. Parce que c'est chiant de regarder son portable. Oui, là aussi, ça vous permet de pas avoir à regarder ni montre ni portable. Ouais. Vous pouvez commencer avec un équipement vraiment minimum, à part des écouteurs, une paire d'écouteurs. Mmh. Exactement. Et surtout, les séances ont des thématiques. C'est-à-dire que je fais pas juste que vous dire, allez, courage, c'est bien, machin. Oui, bien sûr que je vous le dis, c'est très important. Mais il y a vraiment des conseils sur le placement. Comment on place ses pieds, comment on place ses bras. Pourquoi est-ce qu'on a des points de côté? Pourquoi est-ce qu'on a des ruminations, des exercices de respiration à faire pendant la course? Bref, je spoile pas, mais il y a pas mal de choses qui sont assez théoriques, mais indispensables quand on commence. Donc voilà, j'en suis très contente de ce programme. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Ouais. foncez, allez-y. Eh bien, merci beaucoup Mathilde. Merci à toi. Il est temps de se quitter. Ouais. Et peut-être nous aussi, mais je vais voir parce que je sais pas trop où est-ce que j'en suis dans le... Marza va me tuer parce que ça va être trop long. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est parti pour une nouvelle semaine. Il ne reste plus que 3 semaines avant le jour J et on continue cette lancée. Là on est lundi, je ne cours pas, je marche et puis on reprendra demain, enfin je reprendrai demain avec les conseils de Mathilde. Je ferai un petit 30 minutes de run, histoire de faire un run de récupération. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et j'y répondrai si j'ai une réponse. À plus. So until then.